Kabila, vous ne pouvez pas dire que vous avez un problème. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous voulez encore qu'il puisse parler? Il est égal à lui-même. Non. Nous avons constaté que Kabila a été dans Windhoek, a été au compatible. Pour investir à l'Obaki, a fait la thèse d'ailleurs, doctorat, a fait la tâte. Le président de la République a nommé informateur de Kobari qui passe la Zaïki. En tout cas, je m'étais dit le monde à l'envers. C'est là, Bédoua. Le monde à l'envers, bah, étudiant, il y a sciences politiques, bah, étudiant, il y a faculté à droit, il faut modifier. Il faut vous modifier quelques chapitres. Et ça, même, Mabé ? Vous savez quoi ? À l'issue d'une élection, il y a la majorité qui se dégage, il y a l'opposition qui se dégage. N'est-ce pas ? Bah, candidat Nyonso sur 500 députés. Il y a plus de 470 députés ici de la majorité présidentielle. Donc, c'est-à-dire pour les présidents de la République, ils ont la nécessité de renommer un formateur. Mbote na balandi ya Congo ini bana mboka o nyoso partout sika bozali bino bozo continuer au sala biso confiance na musala o tozo au sala et aussi c'est par rapport aussi à qualité ya ba message to ba information to pesa kana bino ya ozo permettre que toza la toujours ensemble to lobela mboka na biso ya onde esangisa biso ya onde na benga ka denominateur commun ya ba congolais nyoso. Kasi lelo toza lisusu na moko ba actualité o tontolobela o makambo etali est ya République démocratique du Congo, situation za ko évoluer ni ndenge nini, quels sont les moyens ba mesigni ko tiama en place pour que makambo ke ndi toujours malamu et tolobela pe likambo etali informateur nomination ya mwana mboka Augustin Kabuya o azali nommé la chef de l'État comme informateur pour nous dégager majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, qui a tendance à nous faire. À travers le sujet, nous avons pu s'en au salaire, le monde à Mboka, Jano Mananga, Oyo Azali, cadre, Mokaba Lobeli, Bandeko, FCC, MSR, mais aussi la compte ya FCC, Mbote Ndeko Jano Mananga. Mbote Ndeko. Les cobaliques ont des mots également na baye baline na émission na yo Congo eni et puis place pa Congo mani bazali surtout pour la diaspora na bande na biso to sala bango na ngumba ngumba Kinshasa en particulier en général na batu nyoso bazola na biso na ba province nyoso ya Congo et puis que depuis année o ebanda ki esa première fois en 2024 OK na meka ko passer na émission na yo merci. L'invitation à eux, l'ancien qui, à chaque fois que tu te l'as invitation, c'est à vraiment pour participer à l'invitation à la côté. Vit aussi l'importance, il y a un sujet mi-balé que nous allons développer aujourd'hui, raison pour laquelle, Robin Seigneur, je n'ai pas hésité à répondre à l'invitation à eux. Merci beaucoup, Ndeko Jano Manianga, pour l'invitation à Nabiso. Quand ce sujet est toujours, mais car on l'a dit, situation il y a est la République démocratique du Congo au tout là qui tout qui lobby ça qui boye lobby kuna tout la muki minova ça ne va pas et puis makambo ça repousse là entre temps là bas partenaire ou bas qui bas partenaire na biso il y a lobby pe bazo ninga ola ki sa ke réellement toza na bango ensemble mais bazo kende ko solana Rwanda pona ku continuer ko attaquer République démocratique du Congo analyse na yo tant que moi na mboka non seulement na casquette ya FCC tonine mais tant que congolais la situation o ikutami na est la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup parce que vous évoquez un point important. Toujours ça, l'analyse, non seulement partisan et à parti politique, mais à un mouvement politique. Nous analysons en tant qu'analyste politique et en tant que Congolais. Merci beaucoup. Vous savez qu'il y a une situation où nous avons insécurité à l'Est. À chaque fois, tout ça, là, quand nous réfléchissons sur la question, et ça, concernant la question de l'insécurité. Il y a les bouchons, oui, qui ont sécurité à l'Est, ça fait déjà plus de 3 décennies. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des coutus qui ont été en haut, des coquabis qui ont été en haut. Mobutu a été la question aux situations. Est-ce que Makamba Mobutu a été en haut? Je suis en train de développer. Nana Est, il y a. Ok, vas-y. L'histoire nous renseigne que ça fait 3 décennies. Il y a 3 décennies, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, vous comprenez? C'est une histoire que nous avons héritée. Okay. Mais le problème, c'est quoi qui se passe dans l'insécurité à l'Est? Maïtozo vivre pendant une période, et ça, la mauvaise lecture, il y a l'autorité, sur la question intérieure, politique internationale. Autorité ça la bango lelo bien depuis Kabila pour bango pe ba coûter que situation. Ndeko na joie ça comme vous le savez l'histoire est au renseigné que na période de Moko le M23 azaki libanda. To constater que na période de Moko M23 azumi. Mais M23 a lobi que non misu to sala ki na bato songolo pakala to signa ki bakor. Comprenez? La guerre de l'Est, comme la science nous dit, est une guerre asymétrique. Comprenez? Les M23, ça est juste un mouvement soutenu par les Rwandais. Ok. L'hôpital où Kabila banda kolobaké, batu on a zo bunda na bango. Na bando bunda na ba Rwandete ba ye bazali lo na pouvoir bazali na opposition azo bunda na ba Rwandete anda bunda banani parce que na période na ye ezala ki pe na ba komboneti ba moi ba kombo moyo ba tanganda dans l'histoire là tanganda ah oui kunda batware oui bazaki pe ba kongolete koma ya zo ba oui bosco tanganda ya mona otoyib sa yo oui vous savez que depuis 3 décennies, c'est une histoire. Oui. Les États dans la forme initiale, comment on sent la guerre par procuration? Guerre par procuration, il y a le banni. Au début, il y a l'État à cause de l'intérêt. Ceux qui ont sali guerre ouverte, ils ont la sanction en haut. Okay. Au niveau de la Cour internationale de justice, au niveau de la Cour pénale internationale, on tenait à la guerre, on va changer. Okay. Les États dans le monde vont changer de forme, va changer la guerre par procuration. C'est le M23. Échanger le bien, pour représenter ces États. Difficulté où il n'y a pas eu la joie pendant 18 ans, pendant cette guerre-là. Il y a un pouvoir. Donc, bisopé va comme moment, il y a un pouvoir, 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 si nous pouvons rester dans cette logique-là. Le lot où tout ça na tout ça tout ça na le bas qui monte à présenter malgré casquette politique na yo na bas qui toujours ça la analyse na biso comme état ba congolais le lot il y a des morts ba congolais nyoso baza d'accord pour la guerre quelques uns peu bazo zala d'accord te parce que quand nous zulu bana pour na éviter ba sanction boy mais pour na biso tant que ba congolais ni ne peut se mettre en place pour mettre fin. Est-ce que c'est le dialogue ou bien la diplomatie ou bien les mécanismes qui sont que ça là? En relations internationales ou en sciences politiques, moi je suis politologue de formation, on dit Yambo guerre est déclarée. Donc il n'y a qu'à d'abord la négociation diplomatique.
Ouais, ou échoué déjà moi belé. Son qui négociation diplomatique est échoué toute la guerre. Guerre ici la capé kaka na ba négociation diplomatique. OK. Mais lorsque le président est arrivé au pouvoir, le président a fait de beaux yeux dans le pays voisin. Biso autour ba kongomani nyoso. Ba konana ki bazie nous oyo régime et cela qui n'a pas pays voisin. Oui. L'ennemi reste. Mais, pourquoi? Parce que ceux qui lobbyent à qui ennemi n'a bino et qui l'élo oyo, oya et si kamoni qui y'a moyen y'a pour dialoguer n'a et puis kogoko ma ba ami et sa qui peut ma bête. Mais n'a pas négocié qui, ba négocié qui. On a donné au Rwanda ma ouverture, les gens exploités, ma joie mongo, ma s'armer, ma se réarmer, ma se réorganiser. N'est-ce pas? Ma commune a un moyen efficace, n'est-ce pas? Pour tenir la dette. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, tout y est mis noir sur blanc, et ce n'est pas le Rwanda même des gens qui nous abusent. Okay. C'est la communauté internationale et il faut oser se cacher derrière le Rwanda. Ce que j'ai dit tantôt ici, Ndeko Kabila n'avait pas de problème avec les Congolais. Ndeko Kabila avait le problème avec la même communauté internationale. C'est la même communauté internationale et manipulée qui va congoler au Bazaki à l'époque, au Bazaki en opposition. Parce que Ndeko Kabila a déploré chaque fois, je n'ai pas de problème avec les Congolais, j'ai des problèmes avec la communauté internationale. Baba n'a pas de problème avec les Congolais. Maintenant, les erreurs diplomatiques, Ndeko Tshiseke a eu ce qui est choqué, n'est-ce pas? La diplomatie agissante et permettant qu'il y ait va être signé d'accord avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec nos pays voisins, pour la paix dans l'est de notre pays, qui était une bonne chose. Mais cette diplomatie a échoué. Nous avons dénoncé, comme tout autre, comme analyste, comme Congolais, qu'il n'était pas question, avec nos ennemis que nous connaissons, plus de 3 décennies, 30 ans presque, maintenant nous sommes dans la même situation, mais là, il n'était pas question que tout se rapproche dans Bango, tout pèse à Bango même à minérer la question. Il n'était pas question. Mais dans les cadres, il y a diplomatie au niveau de ce il y a régime, il y a du soi sacré, qui pensait peut-être que Bango au sala malamo, mais malamo on a contourné et même mabé. Ce sont des. Vous savez que jusque-là, vous aurez répondu à la question de la matière. Je vais arriver. Jusque-là. La mauvaise diplomatie et comme ils comprennent ça va congolais. Les erreurs du passé. Je n'ai pas dit, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas dit. Lobby. Les erreurs du passé, cette fois-ci, il faut toi agir autrement. Non, il y a régime. Même, oui. Puisque le chef a dit que les erreurs du passé, il y a moi à reconnaître les sous-sous et m'baloter. Donc, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître. Mais cette fois-ci, quels sont les moyens autour de mettre en place pour mettre fin à ce problème à guerre? Bah moyen autour de mettre en place tout ça, bah moyen d'abord diplomatique. Oui, oui, ils ont marché. Comme je vous ai dit, guerre et la diplomatie. Et si la peine de diplomatie. Ok. Comme la diplomatie congolaise échouait, il fallait tout qu'il y ait une guerre où il y a une peine qui est mise au Rwanda, dans le Béti Mandou qui est mise au Béti Mandou. Mais nous avons un problème. Les présidents, oh, ces régimes, tu les genoux, nous a présenté la loi sur la proclamation militaire. Et sa loi. Il y a des militaires ou à la guerre. Vous voyez, vous savez que nous avons la loi sur la proclamation militaire. Nous avons un budget à 1 milliard pour l'armée. Oh, à Kinshasa, c'est le même militaire au Bazoluba. Même Mbongo qui est dans l'Est pour les militaires, Mbongo qui est dans Kinshasa. Donc, c'est la commune. Lorsque la diplomatie a échoué, il faudrait que l'armée soit organisée. Ok. L'armée n'est plus organisée pour l'instant. Comment ça? C'est une réalité. Tout le monde ne savait pas que non, l'armée que nous avons aujourd'hui, l'armée n'est plus organisée. Mais ils ont soutenu la guerre qui est la minute de Senga, tout ça, l'affrontement, c'est quoi? Il faut tout ça. Mais tant que vous avez dit que l'armée est organisée, c'est-à-dire que tout le monde est en train de se faire, il faut tout ça pendant qu'ils ont organisé. Il y a des rébellés, tout ça qui est pour nous congolais, ça est juste que. Stratégie interne et armée va devoir avoir les réseaux sociaux, va devoir avoir la télévision. Il y a des gens qui sont armés, qui sont armés, qui sont présents dans les réseaux sociaux.
nous présentons la télévision tout simplement armé. Yo kanisi pendant les Rwandais ce sont des fous. Bah Fandi, bah Ose Labino, yo somi Kalashnikov type boé ou bien armé type boé, il pas Fandi à chose là. Mais moi personnellement j'étais parmi bandeko ou bandenosaka stratégie wana ya rubimisaka armement na biso na ba réseaux sociaux parce que na mona ko pour la toute première fois jeune Afrique et la jeune Afrique akamata la qui c'est que RDC sombiboué c'était une complicité aussi une complicité on peut dire que une complicité avec les officiels des officiels congolais parce que batwa ke no somba aba armement ce sont des officiels congolais ba bimisa ki ngo ba meta ba chaka ngo na dans les réseaux sociaux, bah moko, bah tu vas dans les réseaux sociaux, c'était pas les étrangers, c'est tous les officiels que nous avons vu dans des pays X, Y, qui étaient dans la armée, bah lui bah armée en autre type de somme, vous savez, vous voyez-vous, donc au niveau interne, nous pouvons dire que nous avons des traîtres, même au niveau interne, qui jouent au G, n'est-ce pas, des Rwandais, cette fois-ci nous sommes en train de nous dire que les grands Congo, ils ont humilié na niveau où il va émigrer à côté. Monsieur Janon, na kati ya ba groupe nyoso M23 AFC AFC na ba nyoso bazana pour na côté les mais la répéna ni pouvoir en place. Est-ce que bato baza pour na ba nyoso baza ba congolais? Na landa briefing il y a ministre affaires étrangères à la personne de Ntondo là. La briefing mo wasala kana Patrick Muyaya. Oui. C'est la position officielle du gouvernement. Mm. Le ministre dit nous allons négocier avec le M23 parce que dans le M23 il y a des Congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre, la bouche autorisée. Na M23 donc, il y a aussi des Congolais. Oui, c'est le ministre. Netinen. C'est le ministre des Affaires Netinen Yebi, Congolais la carte à M23. Donc, question là vous posez une réponse non la vous posez une réponse T mais question là tu vous poses au ministre Ntondo là améga on a mais quand même oyé bi bango nyoso tout ça là ba ulingoma tout ça là ba bisi mois tant d'autres ba oyo kyoyé banani aza vous savez mais c'est Barry que je suis congolais de père et de mère. Lorsque vous me parlez de bisi mois, vous me parlez de ulingoma et ça dit choqué yé aza ba nous travailler na régime ONU en opposition depuis 1993. Azalaki, Azalega Congolais. Ça, c'est Willy Ngoma, non? Oui, peu importe, Azalpe Congolais. Donc, Willy Ngoma, Azo, je ne sais pas, je ne peux pas faire l'apologie de Willy Ngoma. Non, il veut ma service. J'aurais appris qu'il est Congolais. J'aurais appris qu'il est Congolais. Ok, merci ça, beaucoup. Ça, c'est un élément. Oui. Ça, c'est Willy Ngoma qui les dénonce. C'est le même Willy Ngoma qui nous dit, vous avez service, ok, Bafanda Awana, 2019. Basala 14 mois à la ville à Kinshasa. Willingo Makenda na Banzana. Mais Willingo Makenda congolais, je pense, selon. Vous avez la réserve pour la confirmer. Non, je ne peux pas confirmer parce que je ne connais pas Willingo Makenda. C'est la première fois dans mon apparition dans la télévision. Je ne maîtrise pas, je ne connais pas ses parents, je ne connais même pas, n'est-ce pas, ses frères. J'ai des réserves pour confirmer que c'est un congolais. Ok, merci beaucoup. Lelo Oyoto Loba Toloba, vraiment. Des fois, vous la Sonia République, il y a de quoi FCC. Vous la Sonia République. Vous savez qu'à chaque fois, nous, du FCC, est-ce qu'il n'a aucun volume? Tobanda pour tirer sonnette d'alarme. Est-ce qu'il n'a aucun volume pour nous poser question? Tobanda, il y a aucun. Non, juste qu'elle a posé question. Je vous en prie. Allez, ok, merci beaucoup. Carnage, il y a Goma. Pape Aye. Tobeti Match. Francophonie. Investiture, Joseph Kabila toujours occupé. Agression à l'Est, à l'Obaka et l'Oko Mokote. À notre grande surprise, na Windouk, Ake, Kobondisa, Namibien. Cela veut dire que Joseph Kabila n'est pas un Congolais, mais comme le Kana Congo est la quête la plus importante, il y a du Banda. A pour une nationalité, non? Je ne peux pas répondre de la logique d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas répondu de la logique d'ailleurs. Vous savez qu'il y a eu des morts dans l'Est. Qu'il y a eu des éboulements dans le sud Kiv. Plus de 600 morts. Mais le président de la République, devant Nations Unies, a comment, qu'est-ce que j'allais dire en Lingala?
Il a combattu avec les peuples libyens, qui est le peuple congolais. Donc nous pouvons aussi dire dans votre logique que le président de la République n'est pas congolais. Na mon message mon côté, il y a gouvernement. Compatir là bas ressortir ça dans son compatriote dans l'Est. Na carnage à Goma à Salaki. Na carnage à Goma à Salamote. À Salayango. Na carnage à Goma à Salamote. À Salayango. Écoutez, na carnage à Goma à Salamote. Na éboulement moko et Salamay na du site Kivu. Plus de 300 compatriotes congolais enterrés comme des rats. Bah comme on manie nous sommes à Bomaga na Masisi, c'est n'importe quel moment un message y a compassion au niveau du gouvernement. Mais dans les Nations Unies, vous avez constaté les présidents compatissent avec les peuples. Bozi modèle. Si je fais dans cette logique, bon, c'est à dire que on a bino modèle labino et ça gouvernement actuel. Je voulais juste pour répondre pour enchérir question à you. Aujourd'hui Joseph Kabila en Namibie, j'avais commenté sur sa présence. Vous savez qu'il y a un bon nombre de nationalistes africains. Vous êtes sans ignorer que la liste des nationalistes africains, le président namibien, la Namibie, est inscrit dans la liste des nationalistes africains. Kabila s'inscrit dans cette liste des nationalistes. Kabila a jugé bon d'aller compatir avec la famille ou les Namibiens. Qui se sont tous inscrits dans à Boya Naye, yepi na ngambu naye ko compatir na ba congolais bazoku fa na est République de Moitié. Il a toujours fait plusieurs fois. Comment ça? Na moyeni. Vous savez que à chaque fois, Joseph Kabila le baki akolo ba bolobi o ce qui a le bito kangai. Oh, donc azo bangande ce qui a le bito kangai. Yoka bolobi o ce qui a le bito kangai. Kabila ko mo banga ke ba o kangai. Ce qui a le bito, qu'est-ce qu'il va dire? Vous voulez encore qu'il puisse parler? Il est égal à lui-même. Non. Nous avons constaté que Kabila a été dans Windhoek, a été compatible. Pour Memi. Pour investir à l'Obaki, a aussi la thèse d'ailleurs, doctorat, a la tâte. Est-ce que c'est ça qui nous coûte? Non, n'a pas ça fait. Est-ce que c'est ça qui nous coûte? N'a pas ça fait. Il était la fille de Sylvie. Est-ce que c'est ça qui nous coûte? Non, Betty de Sylvie. Est-ce que Yokotine a l'invitation à Tom, on a joué à Fionakin? Oh, Ezaïne est là. C'est-à-dire l'invitation à Goutaki est déjà, Zaïne a fait du site, ils ont préparé Tesnaï. Pas même représentant. Pas même représentant. Batine Naki, est-ce qu'il y a une invitation pour le bagage que non seulement on empêché? Mais ça, la marapote, tout aussi de monnaie à représenter, à mettre reprise. Pour à cette question, il fallait poser la question à protocole. Il y a présidence. Non, nous, il y a Ladi, ministre Alobi Amo qui a eu 3 invitations comme sénateur angolais. Il fallait qu'il fasse ça là-bas. Les bureaux, il y a président honoré Joseph Kabila, il faut qu'il soit là pour répondre à la invitation. Voilà. Donc, Betty, déjà plus importante que la vie à Congolais et la réalité de la République démocratique du Congo. Bon, sa présence, l'investiteur, elle n'y a porté quoi. D'abord, la position de FCC ne pouvait pas cautionner. Élection cricket. Qui ne sait pas que élection il y a 2023 et ça élection cricket. Mais on a bien monté. Oui, bien monté. On a bien monté. Même communauté internationale, ils ont approuvé. Ils ont approuvé qu'ils aient. Oui, puisque Bangonyo sont les représentants. Bangonyo sont même États-Unis. Mais j'aurais appris que nos invitations, il y a un président, il y a des invitations. C'est la première fois. J'aurais appris. La honte pour la République. Tu aurais appris. Il paraît, j'ai dit au conditionnel. Ah voilà, c'est-à-dire qu'ils ont vrai. Jusqu'à là, ils ont fait beaucoup de réserves. J'ai mis au conditionnel. Pourquoi? Nous sommes à Congomani, nous avons un peu de Wazelbanda. Ok. Continuons sur ma invitation, ma investiture, il paraît, ils ont dit invitation à Vélo. C'est pour la première fois. C'est pas la première fois penser que roi Belgique, Ayaka, la période de Yakabila, a déclaré qu'il enveloppe les Aïmouké. C'est-à-dire qu'il y a une invitation là. Tu as dit que les militaires dans l'Est. Bino Bossala Yangote. C'est ça maintenant le problème avec vous. Bino la tourne à Bino Bossala Yangote, mais beaucoup m'ont coupé sa malaise. Oui. Mais c'est Barik. Investiture, il y a Joseph Kabila, il y a combien? Mais c'est Barik. Non, tout qui est là-bas, chiffre, il y a combien? Oui. Mais c'est Barik. Nous sommes avec vous dans ce pays. Ok. N'est-ce pas? Kabila a ça là presque 3 ans sans défiler. A mis défiler, il y a comme mot.
Si tu peux même donner Félix à Sali en haut. Alors, il y a un défilé à Kambo, investir fantaisiste à Kambo. Donc, cela veut dire que même investir à chef de l'État, du fait qu'il y a Kambo, il ne fallait pas au salaire. Mais il fallait organiser quelque chose qui n'a moyen raisonnable. Oh, le minimum, ça l'a quitté. Dernier point, dernier point de cité. Les régimes passés, et maintenant, pour ça, la Miloko, au moins, avec rationalité. Tout ça, c'est-à-dire qu'il a fait depuis 2008 jusqu'en 2018 à tel qu'il est. Mais il y a eu aussi tant de tournements, bah des tournements salamé bilé ou le ka nyoso wana. Dernier sujet tout chité mbalamoko et Félix Antoine Tshisekedi a été nommé Augustin Kabuya informateur il y a gouvernement ou donc informateur pour nous détecter bah tendance nyoso ça à niveau il y a parlement. Dis-moi à quel moment il fallait-il qu'on ait un informateur pendant qu'il était en tout le monde à Boudou? Puisque tu as constaté que l'Union s'accrasait déjà majoritaire à niveau parlement. À cette question, lorsque la monarchie présidence, le président de la République a nommé informateur, de Gobari, qui place la Zaki, en tout cas, je m'étais dit le monde à l'envers. C'est la vidéo. Le monde à l'envers, bah, étudiant, il y a sciences politiques, bah, étudiant, il y a faculté à droit, il faut modifier. Il faut beaucoup modifier quelques chapitres. Et ça, Mbabé? Vous savez quoi? À l'issue d'une élection, il y a la majorité qui se dégage, il y a l'opposition qui se dégage. N'est-ce pas? Bah, candidat Nyonso sur 500 députés, il y a plus de 470 députés ici de la majorité présidentielle. Donc, c'est-à-dire pour les présidents de la République, ils ont la nécessité de renommer un formateur. C'est pas ça nécessaire. Pendant que ma plateforme est botanique, la plateforme déjà. Non, j'en arrive. Oui. Donc, Bakoki pour nommer sous son informateur, c'est parce que la majorité s'est dégagée après les élections. L'opposition n'a que 20 députés. L'opposition n'a que 20 députés. La législative, nous sous le cas. C'est la honte. Donc, la démocratie, l'architecture démocratique, ils ont massacré. L'opposition n'a que 20 députés. C'est-à-dire, le reste, c'est l'opposition, c'est la majorité au pouvoir. Ça, c'est un élément. Donc, ça, il ne fallait pas qu'on renomme un informateur. Oui. Deuxième élément. Avant de nommer l'informateur, les députés qui sont élus par la CENI sont provisoirement élus selon la CENI parce que la Cour constitutionnelle n'a jamais été élue. Ok. Vous comprenez? Il fallait baser là. Décision la Cour constitutionnelle et confirmer les députés. Voilà. Pour dégager maintenant le mot désigné soit formateur ou informateur. Troisième élément, mon frère. Ça, donc, parce que tu dois citer un élément, oui. Troisième des autres. Je viens de suivre les députés invalidés par la CENI. La CENI a nommé les 500, a élu les 2500 députés provisoirement. La liste est transférée dans la Cour constitutionnelle. Mais les invalider par fraude, par la CENI, tout le monde est réhabilité par la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans quel pays? Les professeurs de droit, les professeurs de la Cour constitutionnelle. Baza validé par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle est qu'on soit désarrêté. Les députés qui sont reconnus définitivement élus, et ça, bah, invalider à CENI les fraudeurs, bah, on est basé dès la minute où, bah, on est basé comme ici, où, les députés confirmés par la Cour constitutionnelle. Les restes, oh, bah, ça, ce qui 470 quelques, bah, ça, d'abord, assis dans ma chaise injectable. Parce que la Cour constitutionnelle, vous voulez vous prononcer, bah, vous êtes. Merci beaucoup. Le président de la République, l'investiture, à l'OMI, les erreurs du passé. Tokoki Kosongi la Yamote, na manda ou. Mais nous constatons que les erreurs du passé rattrapent le président de la République. Vous rappelez-vous le dossier?
il y a 100 jours. On arrête par la justice les voleurs, mais les voleurs libérés par la justice. Donc la Cour constitutionnelle vient de faire encore les mêmes bêtises il y a un mandat passé. La CENI invalide, la Cour constitutionnelle valide. Le monde à l'envers. Merci, merci. Jeannot, pour la ça, c'est intervention. Deuxième chose, il faudrait que Batoubazou n'a pas oui. Si la majorité présidentielle oui. A nommé un formateur, donc dans la majorité, il y a un problème. Donc, il y a un problème réel qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne devrait pas, normalement, pour nommer un formateur, il fallait donc qu'il y ait un formateur pour qu'il y ait un formateur. Parce que la majorité est identifiée. Maintenant, par exemple, il y a une case de départ. L'informateur a identifié sous sa majorité. Est-ce qu'il y a quelque chose d'identifié dans la majorité? La majorité est bien connue. Donc, c'est-à-dire dans cette majorité-là, il y a un problème. Comme qui dirait, l'effet de vouloir étouffer l'opposition, l'opposition doit se créer dans la même majorité. C'est telle est la nécessité, il y a qu'on nomme un formateur. Merci, merci Ndeko Jeannot Manyanga pour la rondima invitation na yo na Congo Uni. Chers Congolais, bien pour l'andibiso de partout, tout aimer, tout partager, tout s'abonner les sous-sous, na bandi et rosa la malam, outika la malam.